travail que j'ai fait cet été au niveau de la vitesse. Mon énergie était à 110% à essayer de challenger de désensibiliser ma peur en vitesse. Donc, ça a été pour moi quelque chose de complètement magnifique là, sur le 500 mètres. Je voulais m'assurer de garder ma deuxième position. Tout le long de la course, je regardais plus en arrière que de voir l'opportunité de dépassement parce que c'est quand même des gros points. On essaie de s'assurer d'avoir le plus de points possible dans ce genre de course-là. À la fin, quand j'ai vu qu'on était juste nous deux, je me disais, je vais l'essayer finalement. Ben, ça n'a pas marché, mais je suis vraiment contente de ma deuxième place. Et c'est un petit peu un baume dans mon cœur pour la journée que j'ai faite dimanche. Il y a 4 ans, je faisais dans mes premières courses avec Charles, j'en connais pour la première fois, j'étais tout nerveux. Maintenant, c'est un de mes grands amis, puis on compétitionne ensemble, puis je réussis quand même à me classer pour les Olympiques. Donc, c'est un gros cheminement en 4 ans qui se bouleverse vite dans une dernière fin de semaine.